Je t'équipe aujourd'hui une nouvelle vidéo assez spéciale les gars, tout simplement parce quoi pour parler un peu de Fortnite, etc. De l'avenir de la chaîne, etc. Alors ça faisait très longtemps, oula désolé, ça faisait très longtemps que je devais faire des petites vidéos comme ça, etc. Donc pourquoi je fais une vidéo sur Fortnite alors que je dis dans le titre que j'arrête Fortnite? Tout simplement parce que bah, c'est vrai, j'arrête Fortnite. Vous allez comprendre pourquoi et voilà. Donc là, je vais pas vous dire de mettre mon code créateur ou quoi, les gars, parce que voilà, même si le code créateur c'est ma source de revenus principale sur YouTube, etc. Et mais bref, en tout cas, voilà, j'arrête Fortnite. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, première raison, parce que je me plais plus en termes de compétition, etc. Le jeu ne propose plus de compétition, même si c'est compliqué parce que avec la période sanitaire où on est en train de vivre en ce moment, c'est compliqué de faire des LAN, c'est compliqué, bref, voilà. Le jeu n'en propose plus en fait et c'est dommage en fait. Ensuite par rapport au ping aussi, ça c'est la plus grosse raison de pourquoi j'arrête Fortnite. Le ping les gars, regardez, je suis obligé de me mettre, attendez, hop, désolé, je suis obligé de me mettre en serveur Europe pour pouvoir tout simplement jouer. Il n'y a pas de serveur Afrique et pour ceux qui ne savent pas, je suis retourné à La Réunion, mais bon, je pense que tout le monde doit savoir. Et à La Réunion les gars, on a plus de 200 de ping comme vous pouvez le voir, donc c'est quand même injouable. J'ai repris les cours les gars, je suis passé en seconde. Donc voilà aussi, j'ai plus trop le temps de jouer non plus. Mais voilà, je trouve quand même des moments, par exemple le mercredi, comme j'ai pas cours, bah, je peux stream toute la journée, par exemple. Mais voilà, vous voyez par exemple ces petits moments comme ça où je peux stream, bah, j'ai pas envie parce que je sais que le jeu va me dégoûter. Je sais que je vais y jouer, par exemple là je vais y jouer 20-30 minutes, le temps de faire la vidéo. Et au final après je vais devoir, enfin je vais rager parce que le ping, etc. Voilà. J'ai tombé contre des mecs, c'est des gros tryharders et voilà, ça a me saoulé rapidement. Le ping est restreint, donc c'est-à-dire que là, je fais une action, l'action elle se produit mais 10 minutes après, enfin elle se produit pas 10 minutes après, mais voilà, genre une seconde ou deux après, mais une ou deux secondes après, c'est tellement chiant, enfin vous pouvez pas vous rendre compte si vous avez pas testé le 200 de ping, mais voilà. C'est le souci principal de pourquoi j'arrête Fortnite. Ensuite les gars, le troisième on va dire, et dernier, enfin pas le dernier mais le troisième, tout simplement les gars, le jeu est mal optimisé. Alors peut-être qu'il y en a qui vont, il y en a peut-être qui vont critiquer, regardez le ping c'est incroyable, peut-être qu'il y en a qui vont critiquer par exemple mon PC ou quoi, okay. Mais les gars, mon PC là regardez, je suis en rec, je suis à plus de je suis entre 120 et 150 fps, donc c'est déjà extrêmement bien. Donc regardez moi ce fils de pute, d'où il prend mon mur comme ça. Regardez, en fait on peut pas jouer, en fait voilà pourquoi on peut pas jouer. Je vais quitter, je vais aller en solo parce que voilà, en fait on peut pas jouer parce que le temps que tu te boxes, le mec a le temps de tirer et de tomber dans ta box en cassant, enfin bref c'est n'importe quoi et ça m'arrive tout le temps. Je lance une game, regardez, je mens pas, y a pas de, c'est pas une game truquée, c'est pas une game à bout ou quoi, où j'ai dit sur Discord que les gens venaient me focus, non, c'est la vérité, c'est tu lances une partie, c'est comme ça. Et tous les joueurs de Sandping, tout, ça a beau être des joueurs réunionnais comme des joueurs africains qui habitent en Afrique du Sud justement, qui n'ont pas de serveur, ils pourront vous dire exactement la même chose. Le ping, c'est quelque chose qui me pourrit en fait, j'ai même pas les mots les gars. Bref, on va aller en solo parce que c'est, je trouve que ça va être mieux. Et j'ai pas envie de vous mettre un gameplay d'une autre personne ou d'un gameplay que j'ai pris avant. Aussi des streams, etc. En gros les gars, ce qu'il faut savoir c'est que sur YouTube la majorité, enfin le jeu le plus en tendance et qui te, en fait qui te fait connaître sur YouTube en fait, bah, c'est Fortnite. Voilà, c'est Fortnite, c'est voilà, vous connaissez les gars. Si j'arrête Fortnite, ma chaîne YouTube va être arrêtée aussi, parce que ça m'étonnerait que vous voudriez me voir par exemple sur du Minecraft ou autre, genre. Vous voyez, genre voilà, ma chaîne elle est basée sur du Fortnite depuis le début. Je vois pas pourquoi du jour au lendemain on devrait aller sur du Warzone ou sur du Fall Guys ou sur du GTRP. D'ailleurs vous avez remarqué que ces derniers temps je fais du GTRP. D'ailleurs je fais plus ou moins mes vues, c'est bien, je fais même plus de vues que sur Fortnite en plus. Donc bref, tout ça pour vous dire que ça reste un cercle vicieux. Tant que Fortnite n'aura pas mis, n'aura pas réglé les choses en termes de ping, etc. Moi je pourrais pas continuer à jouer, ça c'est sûr et certain 100%. Ça il faut bien le mettre dans votre tête les gars, que je ne continuerai pas Fortnite tant que Fortnite n'aura pas réglé pardon les donc voilà. Donc oui, il est où frère, je l'entends, ah il est en bas, ok,
prendre la grosse potion. Ouais, je vais prendre la grosse potion. Ouais, voilà, en gros, c'est voilà. Après, par exemple, ils auraient mis des compétitions. Pareil, les compétitions, les gars, c'est bien beau d'en mettre, mais je peux pas en faire en fait. C'est ça le problème. Je peux pas en faire, le ping est trop restreint. Quand tu tombes sur un... Attendez, je vais le tuer. Mais what the fuck, frère, les massistes ou quoi? J'ai bro. Ok, donc comme je disais, quand tu tombes sur un Kingstar sauvage, frère, en compétition, et que t'as 200 de ping, alors que tu sais très bien que mécaniquement t'as tous les paramètres qu'il faut, mais que c'est ton ping qui fait que t'es mauvais, voilà quoi, c'est pas oufissime. Donc voilà, il fait quoi, frère, c'est un bot? Ouais, c'est un vieux bot. Bref, voilà, quand tu sais que ton ping te permet pas de faire des choses de ouf, tu vois, genre voilà, ça te donne pas envie de jouer. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faut retenir de cette vidéo, qui est quand même plus ou moins longue. Mais voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà. Donc il faut s'attendre, les gars, à ce que j'arrête Fortnite tout simplement. Hein. De toute façon, je l'avais déjà dit sur mes vidéos, etc. Et voilà, faudra juste s'y faire. Et voilà, par exemple, le GTRP, c'est un jeu où tu ressens pas du tout le ping. Genre, donc voilà. Voilà, c'était une petite vidéo, comme ça au moins vous savez, et au moins du jour au lendemain je vais pas vous dire voilà j'arrête Fortnite sans raison. Je préfère vous dire les raisons, je préfère voilà que les personnes qui sont là que pour du Fortnite, désabonnez-vous les gars, parce que voilà, moi comme j'ai dit, c'est pas que j'arrête Fortnite, mais si en fait, genre je vais pas trop y jouer tant qu'ils mettent pas les serveurs Afrique. Alors aussi, j'ai oublié de préciser que les serveurs sont trouvés dans le fichier du jeu, genre même AWS de Amazon, je sais pas quoi, ils ont les serveurs en fait. Ils ont les serveurs. Et Epic Games a déjà mis dans leur fichier du jeu les serveurs. Mais je sais pas ce qu'ils attendent. Clairement, je sais pas ce qu'ils attendent. Ils attendent qu'il y ait une deuxième vague de coronavirus et qu'ils pourront pas activer le serveur. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est des malades mentales. Epic Games, mettez-nous nos petits serveurs Afrique, ça fait plaisir. Ok, toi t'es vraiment rincé, frère. What, ça a pas tiré, voilà. Vous voyez, genre, c'est ce genre de bail qui fait que ça tire pas en fait. Voilà. Par rapport au ping. Bref. En tout cas, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Je vous laisse avec la fin de la game, et moi je vous dirai à la prochaine les gars pour une nouvelle heure les gars.